de la Tech Planet GT. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un concept car, un nouveau, grâce à Peugeot. Et il est vraiment stylé, il est beau. Et c'est assez surprenant parce que c'est un véhicule électrique avec des performances très intéressantes. On parle de 460 chevaux, un tout petit peu plus. On a 600 km d'autonomie WLTP. Et ce qui est cool, c'est que Peugeot a voulu développer le concept du véhicule autonome, du véhicule électrique, mais avec du style. Et vraiment, il y en a, c'est inspiré de la 504 coupée. Et vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui reprennent les codes de la 504 coupée et plein de petits détails qui font que ce n'est pas un concept car ennuyant à regarder. Il faut, à vrai dire, prendre le temps de l'inspecter et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais souligner que ce concept de Peugeot est une petite bénédiction pour les amoureux de design, de technologie et d'automobile. Les quelques heures passées en sa présence m'ont bluffé, j'ai donc choisi de vous en montrer autant que possible et encore ce n'est pas assez car le travail réalisé sur ce Peugeot e-légende concept est impressionnant et représente un beau contre-pied à l'approche assez déprimante que pas mal de constructeurs ont dès que l'on parle de véhicules électriques et autonomes. Alors si cette vidéo et ce concept car vous plaisent, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et peut-être que Peugeot nous donnera encore plus de temps avec cette beauté dont on va parler maintenant. On va commencer par parler de l'avant parce que c'est évidemment la signature visuelle importante de la voiture et ce qui est vraiment surprenant c'est qu'il y a une sorte d'aspect un petit peu muscle car américain mais pas abusif. Et après, quand on prend le temps d'analyser, on se rend compte que c'est véritablement inspiré de la 504 coupée. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du changement, il y a une sorte de rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir chez Peugeot dans les derniers concept cars. Mais à travers certains éléments que je vous montrerai un poil plus tard, on peut se rendre compte que la continuité est toujours là et que c'est pas un concept car qui sort de nulle part. Ce qui est vraiment trop beau, c'est cette pièce-là avec le drapeau français. Il y a une sorte, vous le verrez pas forcément très bien la vidéo, mais il y a le logo Peugeot. Il y a même écrit que ça a été designé en France et c'est plein de petits détails subtils qui sont faits et qui ont leur importance. Inspiré de la 504, là où on avait écrit 504, on a le nom du concept et on a ce logo un petit peu mis au goût du jour qui est lumineux et qui est vraiment très beau. Et en fait, cette pièce-là, a pour but de rappeler le pare-choc. Et plutôt que de faire un truc moche ou imposant, ils ont été dans la subtilité. Et ce que je trouve amusant, c'est que ça rend très bien. Ça rappelle vraiment l'idée de pare-choc. Et c'est une très belle pièce. Et regardez sur le capot, tous ces petits détails. Ce qui est marrant, c'est que ils sont repris de la 504, particulièrement cette partie, mais ils y ont mis beaucoup plus de subtilité. C'est une sorte d'entrée d'air, je ne sais pas si elle est vraiment fonctionnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très belle à regarder. Et puis, on a cette rainure qu'on a pu voir assez fréquemment sur les derniers concepts de Peugeot et qui donne vraiment de la force et un vrai caractère au véhicule. Et je vais prendre quelques instants pour vous parler de ces jantes. Alors, on est sur du 19 pouces et le petit élément qui tue, c'est ça. C'est le moyeu central, entre guillemets, qui est lesté, ce qui permet de garder toujours le logo Peugeot dans le bon sens et quand la roue tourne, le logo reste au bon endroit. Et un truc qu'on voit très rarement sur un concept car et que je trouve vraiment très bien, c'est le dessin de l'arche des roues qui ici est en fait creusé et qui permet de faire passer l'air. On s'en rend, il faut vraiment regarder dans le détail, ça c'est les choses que vous verrez que si vous prenez le temps. Là, l'air vient jusqu'ici pour redescendre et même il nous expliquait qu'en fait, cette petite partie qui, à première vue, ressemble juste à un élément de design, en réalité, permet de refroidir la batterie. C'est clairement une partie qui fait partie de la batterie. En fait, là, ces rainures permettent d'orienter l'air pour refroidir les batteries. C'est super intelligent. C'est ça qui est vraiment cool, en fait, c'est de prendre le profil dans son entièreté parce qu'on se rend vraiment compte qu'en termes de dessin, c'est très inspiré de la 504, mais honnêtement, c'est quelque chose que je serais pas capable de faire, mais je trouve que cette capacité à moderniser le style et à rajouter beaucoup plus d'éléments, c'est-à-dire que si je vous mets une 504
d'époque, une 504 coupée pardon, d'époque à côté, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas autant de choses à regarder sur le profil de la voiture. Et là, on a des lignes beaucoup plus tranchantes. Ils ont réussi à sculpter l'aile pour lui donner vraiment pas mal de caractère et plein de petits éléments visuels qui ont de la gueule. Ne serait-ce que le dessin des phares, je ne sais pas trop comment ils sont composés. C'est exactement ce que je voulais dire. Ce sont des rétroviseurs, c'est pas facile, mais juste, vous prenez simplement le rétroviseur, le travail qu'il y a dessus. Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Je ne sais pas. Très probablement qu'ils utilisent des caméras, parce que je vous montrerai après qu'il y a des écrans à l'intérieur de la voiture qui vous montrent ce qui se passe à l'extérieur. Mais juste cet élément-là est assez cool à prendre le temps de regarder dans le détail. On va revenir sur l'arrière de la voiture. C'est là où on va retrouver des éléments qu'on connaît un peu plus, notamment par exemple à travers la triple griffe Peugeot. J'aime beaucoup le logo lumineux. On peut noter aussi l'implémentation de petites caméras. Il y en a une à l'arrière, il y en a une à l'avant et probablement sur le côté, mais j'ai pas fait attention, qui font que quand on va passer à l'intérieur, on va se rendre compte que c'est une vraie voiture autonome de niveau 4 avec pas mal d'intelligence, la capacité de vous laisser conduire quand vous le souhaitez, mais aussi de vous détendre, de vous faire plaisir, de discuter avec votre passager si besoin et juste kiffer. Si cette petite présentation te plaît jusqu'ici et avant de passer à l'intérieur, n'hésite pas à t'abonner car comme tu peux le voir, on fait cela avec passion et dans la description, tu trouveras les liens vers les articles détaillés et plein de photos de tous les copains blogueurs qui m'ont aidé pour cette vidéo. Et là, ça va être le moment assez cool, on va rentrer à l'intérieur et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est tout de suite, je vous montre le petit détail qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a un rappel de la 504 coupée, mais avec un peu de modernité, il faut que je reste appuyé. Petit écran d'accueil qui affiche un joli message quand je monte dans la voiture. Ça fait toujours plaisir. Les amis, c'est presque la partie que je préfère entre guillemets parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, que ce soit sur les matériaux et sur le design et surtout l'intégration des écrans. Je crois que c'est vraiment la partie la plus folle dans cette voiture. C'est qu'il y a des écrans partout. Il y en a dans les contre-portes, il y en a devant moi, il y en a derrière le volant, il y en a également dans la contre-porte passager, il y en a également dans la commande centrale, ce qui permet en fait d'avoir tout bêtement la possibilité d'utiliser cette voiture de manière autonome, également dans le plaisir de pilotage avec des caméras qui vont pouvoir afficher l'image sur les écrans extérieurs, mais également là. Ce qui est super intéressant, c'est que là, on est en position conduite, mais on peut également passer en position, on va dire, conduite autonome, où le volant va tout bêtement se rétracter. Est-ce que c'est pas complètement fou? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils en ont même profité pour intégrer dans le tableau de bord une barre de son qui a été faite en collaboration avec Focal, qui est juste magnifiquement intégrée et qui va vous permettre, quand vous le souhaitez et que vous voulez vous détendre tranquillement dans la voiture, de profiter de cet écran qui est complètement ouf. Mais juste regardez la dimension de l'écran, avec des petites animations super sympas. Alors, il faut que je trouve, mais grosso modo, ici, j'ai plusieurs commandes qui vont me permettre de trouver, par exemple, vous regardez, ici, j'ai un petit mode de jeu, et il y a un petit clin d'œil sympa, j'appuie sur Start, je crois que j'ai appuyé sur Start, ah oui, il faut que je presse, ok, et là, regardez, j'ai Pong, j'ai déjà perdu, mais voilà, c'est plein de petites choses qui font que j'ai oublié, mais il y a encore des écrans ici. Je ne sais pas combien on a des écrans dans cette voiture, mais plus loin que le simple fait de savoir si c'est vraiment utile de tous les avoir, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail d'intégration qui est au top. Mais non, il y a encore un écran! Il y a tellement d'écrans dans cette voiture, c'est ouf! Et donc, je suppose que si je le fais sur le passager, il y a encore un écran! Avec une émission, il y a la 508 et tu peux regarder une vidéo si t'as pas envie de regarder. Oh, c'est ouf le travail qu'ils ont fait. Et ce qui est marrant, c'est que pour un concept car, je trouve les finitions au top. Et regardez-moi cet accoudoir qui va, lorsque vous êtes en conduite, s'extraire un petit peu de la contre-porte qui va... I'm sorry, but I can't handle your request right now. La demoiselle me parle. En fait, ce qui est très intéressant avec ce système, c'est que vous allez pouvoir, quand vous êtes en conduite, faire sortir l'accoudoir et avoir accès à un port de charge
qui marche en induction et du coup vous permet de poser délicatement votre téléphone sans perdre de l'espace par ici. Je suis même presque triste de ne pas pouvoir prendre plus de temps pour vous montrer tous les petits détails qu'il y a dans cette voiture, comme par exemple cette petite plaque numérotée qui est reprise de la 504 coupée. Ça, c'est plein de petites idées intelligentes qui font plaisir. La petite animation quand vous ouvrez votre porte qu'on peut voir au sol, mais qui n'est pas fixe comme on a l'habitude de les voir actuellement, mais qui est dynamique. C'est plein de petites choses qui font plaisir. Et là, on est en mode conduite un petit peu dynamique. Donc, il n'y a qu'une des trois lamelles écran qui vient se mettre en place avec les informations importantes. Et après, vous avez un mode de conduite un peu plus classique où vous allez avoir les deux autres lamelles qui peuvent apparaître. Et là, vous êtes plus dans la conduite du quotidien. Vous aurez votre autonomie, la vitesse, etc. Franchement, en dehors du fait qu'on soit sur un concept car, la première remarque que je peux vous faire, c'est qu'on a juste envie d'aller rouler avec. Et c'est vraiment, vraiment du très, très, très beau travail et une belle inspiration et transformation du passé en un modèle d'avenir. Elle était pas mal, celle-là. Les amis, le temps me manque. Alors que ce concept, il est ouf, je vous jure, ça mériterait une vidéo d'une heure où on prend le temps de vous montrer toutes les petites subtilités. Surtout que tu te places à un endroit, tu découvres encore qu'il y a un travail qui a été fait et c'est incroyable de voir. J'aime bien cette approche néo-rétro qu'on n'avait pas spécialement encore vue chez Peugeot et qui est vraiment méga réussie. C'est une voiture qu'on a envie de voir rouler. Le concept de travailler l'aspect électrique, mais en donnant du style, en y mettant de la gueule, en y mettant des détails, et en reprenant malgré tout tous les codes qu'on peut avoir actuellement concernant l'électrique, l'approche autonome avec la possibilité de se détendre dans sa voiture, mais également garder l'idée du plaisir de conduite, c'est quelque chose qui est assez appréciable. En termes de performance, on parle de 460 chevaux, 600 km d'autonomie, etc. Et c'est des chiffres qui sont cool. Mais vraiment, moi, ce que je retiens ici, c'est l'effort de design. Encore une fois, franchement, Peugeot fait un gros boulot à chaque fois, que ce soit sur les concept cars et aujourd'hui aussi sur les modèles de production. Et avec ce Peugeot e-Légende, je dois dire que c'est à mon sens encore une réussite qui, à mon avis, j'ai pas encore vu vos commentaires, on est bien avant que vous voyez cette vidéo, mais je pense que ça va vous plaire, ça va vous surprendre et c'est ça qui est cool. Et du coup, j'ai essayé de vous en montrer autant que possible dans le peu de temps que j'ai. Là, je suis limite en retard pour avoir mon train, je vous l'annonce, mais prenez le temps de regarder cette chose. J'espère qu'à un moment ou un autre, on pourra aller plus loin, parler avec les designers, etc. parce que les petites discussions que j'ai pu avoir en faisant cette vidéo sont trop bien. C'est juste cool. Donc j'espère que ça vous a plu malgré tout. Il faut que j'aille prendre mon train. Si tu es nouveau, abonne-toi. N'hésite pas à dire ce que tu en penses. On en discute dans les commentaires. Ciao. C'est marrant parce qu'on a très peu de temps pour le faire. Du coup, là, ils sont en train de préparer la voiture. Et moi, j'ai l'impression parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire. Donc je vais devoir créer un commentaire sympathique pour vous tout en gérant... en gérant l'intro et les gens qui me regardent de chez Peugeot. Je vais essayer de choper le train. Je suis obligé de prendre le temps de vous dire d'aller voir les photos d'Hugo qui sont trop cool. Ça sera certainement la couverture de la vidéo. Et un gros merci à lui et à Blog Automobile de m'avoir aidé pour réaliser cette vidéo, sans qui ça aurait pas été possible. Et puis Aurélie aussi de chez Peugeot qui nous permet tout ça. Au revoir.